Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je vous invite à découvrir un mammifère exceptionnel. Tout au long de la traversée, je serai votre guide. Voici le grand dauphin. Appelé aussi Tursiop Trincatus, nom latin qui signifie esprit de la mer. Nageur en solitaire, très peu pour lui. Il vit en groupe, plus de 20 spécimens parfois. Suivez bien leurs mouvements. Ils vont si vite qu'ils peuvent semer les plus acharnés de leurs prédateurs. Requins, tigres, orques. Ne vous fiez pas à son perpétuel sourire. Le dauphin n'est pas un ange. Le grand dauphin est un grand chasseur. C'est en frappant la surface de l'eau avec sa queue qu'il effraie et repousse le poisson vers un rivage de sable. La technique est implacable, originale et terriblement efficace. Les dauphins forment des alliances. Ils s'unissent pour jouer, chasser, s'accoupler. Le mâle dominant est toujours prêt à disputer sa place. Ceux qui s'y frottent le regrettent rapidement. Les marques sur leur corps en sont la preuve. Quand le temps des amours s'annonce, le grand dauphin devient un grand séducteur.
Mais là encore, il faut conquérir sa place, s'affronter, renoncer, revenir de plus belle pour approcher la femelle tant convoitée. Lorsque le couple est formé, le mâle nage aux côtés de sa femelle. La brève union de leur corps donnera vie à un petit dauphin. Douze mois, c'est le temps qu'il faudra à la mère pour accomplir la gestation. Un seul bébé à la fois. Tous les deux à trois ans, le ballet de la reproduction pourra se répéter. Pour le Surciops, car son sens le plus développé, c'est l'ouïe. Le grand dauphin est aussi un beau parleur. Écoutez bien. Chaque dauphin émet son propre sifflement. C'est en quelque sorte sa signature. Il n'est pourvu d'aucune corde vocale. Les sons émis proviennent de l'évent, l'orifice situé sur son crâne. Aérodynamique de son corps qui lui donne puissance et rapidité. Il se déplace avec aisance grâce à ses trois types de nageoires, les pectorales, la dorsale et enfin sa puissante nageoire caudale qui lui permet d'atteindre des vitesses de plus de 40 km/h. Fascine chez le grand dauphin, c'est sa capacité à évoluer en harmonie avec son environnement.
Les hommes et les femmes qui veillent sur eux le savent bien.
Dans certaines religions, les dauphins symbolisent la migration des âmes. Alors laissons-nous guider plus haut. Dresseur Vernie, Birgitta, Fleur et Caroline. Et c'est sur cette dernière image que nous allons nous quitter. Nous vous remercions d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Mesdames, messieurs, les enfants, d'autres aventures de l'OS vous attendent sur le parc Astérix. Dans un moment, un de nos soigneurs viendra répondre à toutes vos questions sur la petite plage située en face. Merci.